Salut YouTube, Zimgado, et on se retrouve pour la continuité de la campagne du chaos sur Battlefleet Gothic Armada 2. Au départ, j'étais parti pour attaquer ce monde-là d'un coup à... comment ? À trois flottes, mais en fait, je me dis que je peux sécuriser ce secteur d'abord, au final. Et notamment parce que maintenant, ma flotte, elle est composée de deux vaisseaux pour l'armée de Tseng. Et on va attaquer ce petit vaisseau-là. Ça devrait être assez facile parce que là je vais le flood de vaisseaux. Cette armée là on va en faire une, justement quelqu'un avait dit, parce que c'est vrai que le chaos il excelle en fait dans les attaques à distance. Et dans les attaques à distance avec par exemple du soutien de chasseurs. Pour contrer les torpilles, pour contrer les chasseurs ennemis. Généralement du distant il aime bien être cover par quelque chose. Alors lui il peut pas être fufu. Mais lui il peut. C'est vrai que j'aimerais bien changer et faire en sorte que le commandant ce soit lui, mais... Normalement, j'ai juste besoin de faire ça. Voilà. Je les mets en mode verrouillage. Donc, les deux sont basés sur du longue distance. Tac, tac. Ça. Et lui, de ce côté-là, bon bah ça, même si c'est pas très précis, c'est comme ça. Voilà, regardez. Nous, on envoie 7 chasseurs. Lui, il nous en envoie quelques-uns. Ah, on envoie autant avec lui que lui, en vrai. Merci beaucoup, Jano. Merci énormément pour les 5 abos offerts. Amagneux, Gabliat, Atib, Kianladil et Céleste. Bienvenue les gars. Voilà, normalement ils se défoncent. L'autre continue de foncer visiblement. Les miens gagnent, c'est parfait. Par contre, pourquoi les deux ne sont pas allés dessus? Je comprends pas. Merci beaucoup, Jano, merci à toi. Ah là là, vous voulez pas attendre un peu les gars? Parce que pendant l'enregistrement, si on peut avoir, éviter d'avoir trop de wag. Merci beaucoup Guillaume, merci pour ton abo offert à Marlène. J'espère que tu vas bien Marlène. Bon bah vous allez être flou d'orc hein. Je pourrais pas y faire grand chose. Est-ce que j'arrive à lui défoncer des tourelles? Je crois que oui. 6, hein. Je pense pas qu'il ait que ça. 5, hein. Ouais, parfait. Il va mourir très vite, lui. Oh ouais, lui. Lui va pas kiffer ce qui va se passer. Hein. Déjà, il va presque rentrer dans ma portée de tir, vous allez voir. Voilà. For the War Master. Ah, ils ont décidé de lui casser les couilles jusqu'au bout, hein. Il est à zéro. Il ne se défend plus. C'est terminé. Nous avons une cible facile, en fait, maintenant. C'est simple. C'est très très facile comme cible. Voilà, du coup nos chasseurs vont venir. Il peut caper, hein. Honnêtement, c'est pas grave. Hein. We are unstoppable. Reporting. The enemy has seized. Maintenant, je peux en fait envoyer des bombardiers. Et les deux sont revenus, c'est trop fort. Setting course. Swift Death Squadron seeking prey. Doomfire is unleashed.
front. Moving to those coordinates. Ah l'enfoiré, il est pas si fufu. Je vais activer mon bouclier de Void pour éviter qu'il me fasse un coup de margoulin. We stand ready. Reloading ordnance. Show us our victims. As the War Master wills. Swift Death Squadron seeking prey. Adjusting rotation. I cannot, Master. We'll follow your command for now. J'aimerais bien lui coller un chasseur, mais je voudrais demander à lui de revenir. Show us our victims. To the slaughter. We are unstoppable. Setting course. Your orders. For the ruinous power. Voilà. We stand ready. Reporting. Astract team slaughtered them. Allez, le lâche pas. Comme ça, moi, bam, je me cache. Show us our victims. The enemy has accumulated 25% of strategic points. We'll follow your command for now. Donc le mec ne nous voit pas, hein. Là, on est dans notre nuage. Impossible à détecter. Et du coup, lui, de son côté, bah, on le spot en permanence grâce à nos chasseurs. Et comme il a zéro défense, bah, il est mort. Allez, on va envoyer des bombardiers l'achever. Et merci énormément, en tout cas, Guillaume et Jeannot. Merci à vous. Ouais, elle est très puissante. C'est pour ça que je veux les pecs à fond en bataille. C'est, ça te permet de te cacher. Ça, y a plein d'utilités en fait. Tu peux approcher au corps à corps ou décider de fuir avec. C'est juste trop bien. Et je perds rien dans cette bataille. Hein. Donc il peut y avoir des raids Drukhari à tout moment dedans. Et on va faire fin de tour. Là-bas, je vais pouvoir me déplacer. Il y a un War Portail du Chaos au champ. Champ de pic blasphématoire. Il y a une porte du Chaos. Au cure de sang de corruption lors de la première capture. Voilà. Les attaques visant système sont retardées d'un tour. Avant-poste. Bah voilà, hein, tout va bien. Hein. Et ce qu'on veut, c'est le cimetière ici après. Hein. Donc là, je peux faire fin de tour. Ah 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 ah. Il y a un déplacement à prévoir apparemment. Ouais. Dans un tour, il est ici. Lui seulement. À 416. Donc, ce qu'on sait, c'est que ça va me permettre de capturer ça. Et eux, à la base, peuvent se déplacer ici. Hein. Donc, on va prendre les plateformes de défense. Ouais. Ok. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter ça. Au niveau 2. Donc maintenant je suis à 40 de ressources. Je ne perds plus que 9.
Ici, je vais capturer la même idée de puissance. Ici, par contre, il va falloir que je... Ah ouais, non, je peux pas. Je peux pas avoir d'avant-poste, visiblement. ...20% de chance par tour d'avoir un assaut de Rukari. Hein. C'est beaucoup. Hein. Ok, nous sommes sur un du Mechanicus. Donc on a moins à craindre d'aller le chercher au corps à corps. On peut même y aller vu qu'on est deux vaisseaux. Faudrait juste faire gaffe au canon Nova. Pour l'instant, c'est des petites batailles mignonnes. Hein. C'est vraiment... Merci Célène pour le follow, bienvenue. Vous étiez nombreux aujourd'hui à follow, c'est cool. Ah non, visiblement il y a deux vaisseaux. Un gros, un petit, je suppose. Merde. Je vais quand même caper parce que bon, c'est mignon de voir bat, mais il faut les points là. Ok. Donc là, ça, quand il fait ça, normalement ça le ralentit parce que mes chasseurs doivent suivre le mouvement et donc c'est chiant pour eux. Your orders? As the War Master wills. Allez, plus que 10. Alors, il a pas de Nova Canon. Il a des tourelles à lance. Il a... En fait, il est très dégâts, quoi. Très, très dégâts. Show us our victims! You have seized a strategic area. Je regarde si pour les deux c'est disponible parce que je les envoie pas un par un, c'est pas mon but. Hein. Ok, et pour l'instant il s'en sort. Hein. 7 détruits. Je pense que je vais pouvoir le mettre à 0 après. Hein. The enemy has seized a strategic area. En prochaine, on capture celui-là. J'attends que les deux possèdent le chasseur. Ok, il s'est mis en fufu. On va avancer tranquillement. J'ai rattrapé mon retard. Ok. Ah, il s'est mis en fufu. Hein. Là où ça va être plus chiant, c'est qu'il va falloir que je... En fait, il faudrait que je tue le petit. Parce que lui, il est capable de marquer pendant que les... Pendant que l'autre tire. Ça, c'est relou. Et par contre, le petit, je vais le burst. Hein. Le petit, littéralement, je vais le burst. Hein. Là, je recharge comme je peux. Je vais lui envoyer deux abordages dessus. Et après, je pense qu'on enverra les deux chasseurs sur l'autre. Le petit, on pourra le considérer mort. Hein. We are unstoppable. Voilà. To the slaughter. J'ai dit, je vais dessus. Voilà, et on le lâche pas. Hein.
minions rampage through their ship. Il subit un incendie, il subit des coups. Tout va très bien. Ah, il a encore un incendie. Ok, ils reviennent. The enemy has accumulated 25% of strategic weapons. Oh, l'enfoiré, il m'a détruit de l'armement. You have accumulated 25% of strategic points. We stand ready. Moving to those coordinates. For the war, Master. Boarding attack successful, Master. We'll follow your command. For now. Donc il m'a détruit mon armement à lance, hein. Mais là, par contre, il va prendre très cher. Là. Là, les bombardiers. Hop là. For the war, Master. Moving to those coordinates. Show us our victims. Tu l'as pas pété de l'autre côté, normalement. Donc, on va l'engager de ce côté-là. Voilà. Comme ça, on profite de l'armement de tout le monde. Et là, on va y aller. Bombardement, bombardement, bombardement. Et les petites boules. Ah, je peux arrêter d'appuyer sur échappe comme si c'était ça qui allait m'enlever. Voilà, mutinerie, c'est bon. Ok. On voit l'expérience du joueur Necron. Il voit un vaisseau et sait parfaitement comment gagner. Oh, ça veut dire quoi ça? Oui. Renommée totale gagnée, oui, ok, mais... D'accord, capacité d'ordre plus 1. Capacité de la flotte 500, commandement, point d'amélioration, d'accord. Objectif secondaire, d'accord. J'ai gagné un niveau, voilà. Chouette. Et ce monde-là, au moment où je l'ai capturé, normalement j'ai gagné 200. Et là, je le vois plus. Mais normalement, ça, c'est... ça a marché. Hein. Ah là 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 là. Merci beaucoup, Dreka. Merci énormément pour tes abos. Faire tes 10 abos à la commu. Merci énormément. À Thanos, Neo Geo, Champif, qui...
Alors, je sais jamais le dire correctement. Je sais pas, Keep Seven Duron. Du coup, je dis juste Keep. Druzdaran, Benshi, Furgos. Faire un choix difficile. La bébête. Pepito du 93. Si, si, sa mère. Bienvenue, les gars. Ah là là. Donc là, je vais me faire attaquer ici. Donc, je vais pouvoir déplacer eux. Et je vais me payer des plateformes de défense. Au calme. Je vais regarder si je suis capable de me payer d'ailleurs un nouveau vaisseau. Parce qu'attendez, là j'ai combien là? Je gagne 11. Ah non, seulement 11. Ouais. Ouais. J'ai débloqué un truc, je regarde mes flottes. Bah, je sais pas ce que j'ai débloqué. Hein. Ah, ici? Oh! 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 Oui, ici! La bombe de Stahl! Ça, c'est bien, ça! Le train de live, c'était quoi ce oh pendant le train là, n'importe quoi. Non mais les gars, merci beaucoup pour tous vos abos offerts là. Il y en a combien là? Il y a Robin qui a suivi avec du coup 3 abonnements et il y a Jano qui a suivi avec 10. Ah bah vous allez en subir des wags. Hein. Moi je me dédouane. Merci beaucoup les gars pour votre soutien. Bienvenue à tous. Raptor, Nighton, Warship, Jésus, Totor des Bois, Katari, Imaldius, Uramachi, Nugens, Machine. Bienvenue les gars. Ah bah c'est un petit train facile. Hein, t'sais. Moi le train il a un wagon, moi. T'sais, tu fais vite monter tout le monde dedans. Hein. Est-ce que du coup je peux avoir un autre vaisseau ici? J'ai combien de ressources? J'ai 449. Donc j'ai ça avec des macro-batteries fusionnées. On va bien en avoir un deuxième. Il me dit que c'est valide en plus. Voilà. Alors je suis à moins 7. Donc il va falloir que je trouve un moyen très rapide de payer. Bah, le monde cimetière, simplement. Là, je devrais gagner des ressources. Et puis après, on va voir. Normalement, si je fais fin de tour, je me fais attaquer. Ouais, attention. Hein. Ça se trouve, je vais devoir payer dans l'autre sens. Après, hein. Par contre, j'ai retenu qu'ici, s'il y a une flotte Renegade, et je crois que lui en est une, hein. Je ne sais pas comment voir ça. Je sais pas comment voir ça. Stationne dans le système. Hein. On est d'accord que c'est le système. Ça, c'est un système ou c'est... Oui, c'est un système. Il y a un soleil là. Ouais, c'est un système. Donc non, c'est là-dedans. C'est pas dans... Ok. Ah. Ça me donne 20, 40, 60. Et une flotte Renegade, je sais pas si elle s'en est une ou si c'est un chaos. Quelqu'un sait me répondre ou pas à ça, les gars? Merci Dreka pour les 500 bits derrière. Merci Dr. Faust pour l'abonnement offert aussi. À Loïc Chorley. Ah là là. Bah, Wurzag est pas passé au deuxième tour aujourd'hui hein, face à Louan. Hein. Louan est resté premier. Hein. Ça a failli Wurzag, mais c'est pas encore. Merci beaucoup les gars pour tout votre soutien. Merci énormément. Bah du coup, je vais juste faire fin de tour. On sera bon. Là, d'ici deux tours, je pourrais aller là-bas par exemple, défendre ou... Donc là, le mec saute et il m'attaque. Donc pour l'instant, c'est facile. Je sais pas ce que c'est cette flotte-là. Ma seconde flotte qui accompagne mon héros principal, est-ce que c'est une flotte
une flotte renégate. Tcha-tcha. Merci beaucoup pour tes 50 euros. Non mais... un craquage ça. Je reconnais. Lui là, parce que lui, je sais pas si c'est un renégat. Si c'est un renégat, il faut que je le fasse stationner dans un truc qui rapporte... Merci beaucoup les gars en tout cas. Merci énormément pour votre soutien. Bah du coup, merci pour les 50 euros pour le Lego, pour le projet. Tac. Tac. Et... alors vous allez pouvoir voir ce que c'est finalement. Alors faut que j'engage, je crois, à 13 500, c'est ça. Un engagement à 13 500. Donc c'est des plateformes de défense qui vont apporter radar, réparation, soutien, appel aux armes, tout ça. Normalement, l'équipe 5, elle est dans, ouais, elle est dans le même truc. Ok. Donc j'ai juste besoin de caper celui-là et je dois le défendre. Voilà. Vous passez en mode fufu, vous passez en mode fufu, pas vous. Locus ennemi détecté, analyse des points faibles, capture de la zone indiquée, faire pression sur l'ennemi. D'accord. Ok, si je capture ça en gros... donc, bah, je vais donner l'ordre dès le début. Hein. C'est un objectif secondaire. De la zone derrière la ligne ennemie. Ok. Ok, ok. Alors, il y a plusieurs vaisseaux sûrement. Moi, je suis en train de caper des points automatiquement, là. Ça me donne un avantage. Je vais emmener eux ici. Comme ça, je vais être très rapide à caper. Est-ce qu'il y a des chasseurs? Je dirais pas. Donc, on va essayer de faire cet objectif facultatif, parce que je pense qu'il est quand même faisable. Voilà. Ok, il y a un truc qui vient de caper ici. Autant dire qu'il va prendre très cher avec ça. Lui, je vais le faire passer là-bas très rapidement. Je vois toujours pas de chasseur. Ok, Dreka. Au courage pour le plantage d'un arbre. Ok, je l'arrête. Ouais, il y en a quand même quelques-uns là. Hein. We stand ready. Je sais pas si je vais réussir. Si je pense que je peux le caper, mais ça va aller vite. Hein. Mais par contre, faut faire gaffe. Je peux essayer de casser les couilles là-dedans, par contre. En gros, si je vais là et que je tire, je vais lui casser les couilles. Ça tire, ça? Ouais, ça tire. We stand ready. Setting course. Voilà, normalement je devrais très vite caper ça. Hein. Voilà. Je pense que... Retros activated. Voilà. Show us our victims. We are unstoppable. You have seized a strategic area. Ok. Non, 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 non. Voilà, défoncez-le. For the War Master! As the War Master wills! Ouh, j'ai arrêté pile avant. I cannot, Master. Reporting!
il prend super cher. We stand ready. Moving to those coordinates. Our strike team slaughtered them. We'll follow your command for now. We are unstoppable. Reloading ordnance. The enemy is seizing one of your strategic areas. You have accumulated 20. Ah oui, il y a pas de hitbox en mode non, nous ça passe à travers. Hein. Show us our victims. Moving to those coordinates. J'ai presque envie. Non, c'est bon, ils vont aller le caper. Ok. Je vais écarter cela. Ils vont aller le caper. Je vais pouvoir ramener lui de nouveau. For the War Master. The enemy has seized a strategic area. Enemy ship sighted! For the War Master! Setting course! We stand ready! Ok, je vais repasser en grosse portée. The blockade is broken. The enemy fleet cannot hold this position. Engines hot! Voilà, j'ai accompli le second, c'est parfait. We stand ready! Bah là! Show us our victims. Il y a des plateformes de défense, mon gars, là. Locking weapons. As the War Master wills. The enemy has accumulated. Ah bah oui, hein. Of strategic points. Et tu sais quoi, elles savent marquer, donc tant qu'à faire. Parti, hein. Locking weapons. Moving to those coordinates. We stand ready. Your orders, as the War Master wills. Show us our victims. Your orders. Warp strike successful, Master. Show us our victims! We'll follow your command for now. Our strike team slaughtered them! For their ruinous powers! For the War Master! Setting course. Stand ready! Repair the damage at once! Moving to those coordinates! You have accumulated 50% of strategic points. Reporting! Show us our victims! Voilà, comme ça t'es sûr qu'il capte plus rien, mec! Voilà. Your orders. Fear us, for we strike from the war. You have seized a strategic area. We'll follow your command for now. War
Oh là là, ce bombardement qui prend dans la gueule. We are unstoppable. As the War Master wills. We stand ready. You have accumulated 75% of strategic points. The enemy has accumulated 80% of strategic points. Un action pour chaque flotte qui a pris part à la bataille. Pourquoi pas. Donc ouais, est-ce que cette flotte-là, c'est une flotte? Parce que là, je vois 333e armada des... On va regarder. Là, j'ai le vaisseau. J'ai pas trop d'infos dessus. J'ai juste qu'il a gagné un trait. Mais... je sais pas. Ah, attendez, c'est où je voyais ça? Flotte, non, si. Non, c'est pas là-dedans que je veux voir. Mission, non, coopération, c'est pas ça. Ouvrir le panneau. Chaos Legion, Renegade. Je sais pas. Flotte disponible 5 sur 16. Mais non, je crois que je... en fait, j'en ai pas, je crois. Sinon, je comprends pas. Cliquez sur les niveaux 2. Par exemple, lui. Ça marche pas. À courte portée, le macro-armement. Ouais, mais c'est pas ça que je voudrais... ça déjà pour commencer, non? Bah écoutez, pour l'instant je sais pas. Pour l'instant je sais pas. Ici je sais pas comment ça marche. Parce que là j'ai choisi le vaisseau vraiment que je voulais. Et là ça me va d'avoir des lances justement ici qui tapent pas trop mal. Nombre d'attaques 4, dégâts 5. Donc on est sur du 20 toutes les 8 secondes en latéral. Le truc, c'est que on est souvent en mode verrouillage, donc elle gagnerait 50% de chance de critique. Alors que là, elles ont chance de critique 2,5, donc chaque tir, ça augmenterait sa chance. Le problème, c'est que lui, j'aimerais bien lui changer son vaisseau aussi. Je sais pas comment faire pour changer son vaisseau à lui. Recrutement de flotte. Je sais déjà plus où on recrute des flottes. Tu vas là-dessus, non? Tu vas sur le système. C'est où qu'on recrute une flotte déjà? Bah là, non.
sais pas. Je sais plus où on recrute une flotte. Ah, le petit plus là. Voilà. Donc là, j'ai une flotte de renégats. Le problème, c'est qu'il ressemble à un Red Corsair, lui. Lui, il ressemble à un Red Corsair, du coup. Et je sais pas qui c'est. Ben, je ne sais pas. Hein. Donc, tout le T-Full, yes. J'ai 471, il est tout seul maintenant, donc je gagne, en fait. Il n'y a plus que eux, mais pour les avoir, eux, ça va mettre un petit peu de temps. Est-ce que je pourrais les tuer avec lui? Non, parce que deux, c'est pas assez pour Tseng. Ils sont à 333. Attends, je vais tester un truc. Voilà, j'ai un avant-poste. Elle génère 20. 20. Chaque tour pour ça. Bah ouais, mais ça c'est un peu gros quand même d'utiliser ça pour ce truc-là. Après, je peux le faire en vrai. Je peux aller là. Hein. Attention, est-ce que ça augmente ? Donc c'est une flotte renégat. Ok, ça m'a répondu au truc avec le test. Sinon je sais pas comment voir. Pour deviner sa faction, le symbole. Ça? Ah oui! Genre là, si du coup je crée une flotte. Oui, renégat, Chaos Legion, ok. Le petit crâne comme ça, c'est du renégat, ok. Yeah, GG. Salut Mose. Écoutez, on va attaquer avec ça ici. Il n'y a pas de défense. Fournit 200 de ressources si le point d'intérêt atteint le niveau 3 d'évolution. Recevez 5 plans de bataille de je sais pas quoi, mon cul. Plus de crânes pour le trône de crâne, aborder les vaisseaux ennemis et tuer les troupes pour satisfaire Korn. Allez, il n'y a pas de souci, mon gars, je vais le faire. Si c'est mon second objectif, on le fait. Hein. Oh, c'est joli ici, hein. Détruire ou dérouter tous les vaisseaux ennemis? Ouais, bah peut-être pas en fait. On verra bien. Ah oui, troupes tuées. Oui, oui, ok, ok. 100% on le fait. T'inquiète mon gars, on va le faire. J'adore ça, cette petite idée d'objectif secondaire comme ça qui apparaît en bataille. On a ça sur Total War? Genre un... Non, on n'a pas d'objectif secondaire en mode... Ah, si tu fais ça là pendant la bataille, là, si vite fait, tu captures ce point ou... Ah, il n'y a pas, hein. Alors, on va les chercher. On va les aborder. Hein. Quitte à ce que ça me fasse des dégâts, je veux l'objectif secondaire. Bah ouais, non mais il a encore donné hein, ouais, en plus. Hein, ouais. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est applicable en vrai. Après... C'est pas le même studio, certes. Mais t'as le droit de t'inspirer des autres, hein.
Ok, je crois que ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, on va se mettre ici. Et au dernier moment, on va passer en mode rechargement. Et on va aller autour du vaisseau, on va lui faire deux attaques éclairs qu'il va pas voir venir. Attention. BAM! Moving to those coordinates. Your orders. Setting course. The Lord of Battles is pleased with your tribute. Blood for the Blood God. So is our victims. Allez, boum! We'll follow your command for now. Oh, c'est trop stylé, regardez! Je viens d'utiliser le rituel démoniaque, du coup, boum! Reporting! Arrive à la détruire ? Ouais, c'est bon. Même il gratte petit à petit en vrai, hein. Désactive quand j'enregistre. Eh, une grosse barre pour le coup, Eridan. Eh. Deux dons de corne, yes! On a quand même perdu un peu de vie, mais j'ai gagné du coup le système. Je fais plein de dons, mais je ne sais pas comment ça marche encore. Mais voilà. Hein, on est sûr que quelque part, ça fait son effet. Et sauf s'il m'attaque,
Alors, je vais mettre déjà lui là-dedans. Comme ça, je peux éviter le problème. Monde asservi, non, c'est bon. Donc là, 18, ok. Je gagne visiblement des sous ici. Ok. C'est pas facile de savoir. Là, pour l'instant, j'ai pas trop envie de toucher. J'attends un peu. Hein. Là, je régène, ok. Et on va s'attaquer au dernier monde de ce système. Et après, on pourra passer au prochain. Ah non, c'est bon. Là, je vois rien. Aveuglement, non. On n'a pas encore passé la première menace. Donc, on est bien, on est bien. J'aimerais bien que ça soit autre chose en vrai, mais bon. Ok, pour lui c'est bon. Pour lui c'est bon. Pour lui c'est bon. On peut faire fin de tour. Ah, visiblement, je vais me faire attaquer. Alors, faut que je regarde quel système ça va me faire rejoindre. Oh, l'or qu'il attaque, là. Tour 5, ok. La grosse bataille, hein. Si j'y vais avant, c'est bien. Et c'est visiblement ici que je rejoins si j'attaque avec un truc à 519. Oula, ouais. Calmons-nous. Je pense que le renégat, je vais le virer. Hein. J'ai un contre lui, mais... Après, ça peut être une flotte qui reste ici en défense. C'est vrai. Ah, par contre, ici, ça donne des ressources. Hein. Ça, ça déconne zéro. Bah écoutez. Ah, il y a quand même des plateformes de défense. Donc, il y a de la plateforme. Il y a 355, 180. Si j'attends, au final, c'est lui vs moi. Et après, je suis safe et... Le problème, c'est que plateforme de défense, je sais pas ce que ça donne en puissance. Là, ça me ferait attaquer avec deux longues distances, avec hangar, pendant que lui, il participerait avec eux. Le problème, c'est les plateformes de défense, ça me fait un peu peur, ça. Ça me fait un petit peu peur. Donc, je préfère attendre un tour et la jouer safe, ouais. Voilà, jouer safe. Et au prochain tour, on l'attaquera. Est-ce que je peux faire le combat auto? On va voir les dégâts que ça me fait, le combat auto. Ça va. Un plan de bataille, je sais pas ce que ça fait, mais pourquoi pas. Oh, il y a plus beaucoup de force, hein. Donc là, je me suis réparé. J'ai même pas besoin de lui normalement.
Toi, retourne là-bas parce que je gagne des ressources quand t'es là. Et si je le renvoie, lui, c'est le 10 d'entretien en moins, c'est ça? Vas-y. Où je gagne 22. Allez, la bataille de l'épisode pour le dernier système de cette galaxie. Je sais pas comment on met ça. Je sais pas. De ce secteur. On va dire secteur, c'est bien secteur. Bac à groupe. Huitième bac à groupe. Une personnalité importante a été aperçue sur le vaisseau ennemi. Ne les laissez pas s'échapper. Ah mon gars, quand il y a marqué ça, crois-moi, tu vas rester avec nous. Crois-moi. Allez. Il y a du change avec du Warbearer. Va être beau. Ah non, non, non. Il y a un problème là. On n'est pas le nombre que je voulais là. Il en manque un. Je peux pas l'invoquer dans la bataille, c'est ça l'idée? Oh! Ah bah mon gars, d'accord, ok, tu veux jouer à ça? Ok. Ok, ok, ok. Pas de soucis. Non, pas de soucis. Pas de soucis, mon gars. Alors, j'aimerais bien que lui garde sa. Voilà. Donc il y a des tourelles de défense sur l'autre. Donc en fait ça va être joué sur un point de cap de capture en fait. Pistage d'un vaisseau connu de la flotte ennemie. Sa destruction nous apportera la gloire et les ennemis seront terrorisés. Allez. Pas de soucis. Je prends en compte. Ce qui est bien c'est que ces tours... Ces tourelles, je peux les défoncer littéralement. Hein. C'est 13500 de portée dégueulasse. Alors qu'à côté, là, il y a du monde. Hein. Là. For the War Master. Show us our victims. Bah, du coup, il a un gros avantage par rapport à moi, alors. Hein. You have seized a strategic area. For the War Master! The enemy has seized a strategic area. The enemy has seized a strategic voilà. Area. Déjà, je counter ces trucs. We'll follow your command for now. Wow, 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 wow. Ah non! Non, c'est les miens, c'est les miens, c'est les miens. Non, c'est pas les miens, ça. Si, c'est les miens. Je sais plus! Je sais plus, c'est les miens, c'est pas les miens ça. Si c'est les miens. Si c'est les miens. Je croyais que j'avais perdu. J'ai paniqué. Reporting. We are unstoppable. Reporting. Ok. Du coup, j'ai deux points. We stand ready. Enemy ship sighted. Your orders. We'll follow your command. For now. You have seized a strategic area. Enemy ship sighted. For the War Master.
Master! Reloading ordnance! As the War Master will. Ah bah ça, je pardonne pas, mon gars. Doomfire's unleashed! Our minions rampage through the ship! Boarding attack successful, Master! Enemy ship sighted! Boarding attack successful, Master! D'accord. Retros activated! Engines hot! Slaughter them! Show us our victims! The enemy has seized a strategic area. Doomfire's unleashed! As the War Master wills! Tear them apart! We are unstoppable! Let the galaxy burn! Moving to those coordinates! Reporting! Engines hot! Your orders? Ah, l'enfoiré! Reporting! The enemy has accumulated 25% of... Des bisous! We'll follow your command! For now! Ready! Warp strike successful, Master! Our minions rampage through their ship! Let the galaxy burn! Reloading ordnance! Your orders! Alors, vous voyez petit à petit là tout ce qui burst. Show us our victims! For the War Master! Reporting! Setting course! Priority targets destroyed. Praise the Dark Gods. Engines hot! We stand ready! For the ruinous powers! Il n'y a rien à viser de toute façon là-dessus. Doomfire's unleashed. We've crushed an enemy defense platform. You have accumulated 50% of strategic points. We've crushed an enemy defense platform! Your orders! Et après, il nous en restera une à avoir, parce qu'il faut tout caper. Salut Rudy! Reporting! Oh, oh. Comment je fais? Comment je fais pour... Mais qu'est-ce qu'il fait tout là-bas, lui?
Ah non, mais c'est de la merde, ça. Faut pas me l'envoyer si loin. Locking weapons. You have seized a strategic area. To the slaughter! Setting course! For the ruinous powers! For the War Master! As the War Master wills! Swift Death Squadron, seeking prey! We are unstoppable! Ah, niveau précision, là par contre, c'est un peu YOLO, hein. You have seized a strategic area. Set engines to full ahead! Reloading ordnance! Le truc s'est bien contré, hein. Engines hot. Reloading ordnance. We'll follow your command. Comme un vent de mort qui s'abat sur l'ennemi. Accumulated 75% of strategic points. The enemy has accumulated 50% of strategic points. Our minions rampage through their ship. Engines hot. Ah, on peut lui péter le canon? Ah ouais, et la rendre complètement inefficace. You are close to victory by strategic points. Une réduction de menace. Ouais, pourquoi pas. Bon, j'ai perdu un petit vaisseau du coup. Mais derrière, on a récupéré tout le système. On gagne 66 par tour. Je pense que là, on est pas mal. Faudra renforcer notre armée parce que visiblement, pour aller dans le prochain système, Cellus, je dois affronter ça. Et pour pouvoir l'affronter, il y a une plateforme de défense. Il y a 519 de puissance apparemment dedans. Donc bon, pour la renommée, je sais pas où on en est. Mais de ce côté-là, on est quand même bien. Hein. On peut faire fin de tour, on peut voir ce que ça donne. Le cimetière, je peux l'améliorer. Je vais d'ailleurs donner une priorité au cimetière. Hein. Ce monde là, comment ça se fait que je vois pas ce qu'il me rapporte? Je ne sais pas. Il est pas améliorable comme système, lui? Apparemment non, parce qu'on est d'accord que là, si je cliquais voilà là-dessus, là je pourrais avoir ça. Bon, ça coûte pas trop cher. Ici, la forteresse, dans un tour, je peux l'avoir au maximum. Et du coup, réparer très rapidement et gagner 80 au lieu de 40. Ça me coûtera 150. Je crois que c'est au prochain tour.
Ouais, vaut mieux attendre un tour ici et voir ici en fait. Et les deux ensemble, bah, je vais gagner 80 par tour en plus. Ça va me permettre de faire une flotte, ça va me permettre de voir, ouais, pour les vaisseaux, tout ce qu'il faut. Ce qui se passe quand je fais ça? Ouais, c'est ça. Ça me monte directement vers Mars. On fait un petit fin de tour pour voir. La menace risque d'augmenter. Tour 7. Urgence faible. La campagne est caractérisée par des batailles mineures et de légers revers. Les ennemis profitent de cette ouverture. Chaque faction est augmentée de 1. D'accord. Est-ce que à un moment je vois du coup quelque chose qui me dit que là je vais me faire attaquer? Visiblement non. Après il me semble qu'on me prévient quand ça arrive. Ce qui fait qu'ici, allez, on augmente ça à fond. Et ici, chantier naval démoniaque, je n'ai pas assez. Mais je gagne 106 par tour. Je réunis mes deux flottes. Si je devais bientôt recruter un nouveau vaisseau, j'ai encore accès que... Ouais, j'ai 84, ce qui veut dire que je peux prendre un petit à la limite, genre... Idolator est pas mal. Pour s'étourer à missile légère et une lance légère. Lui, du coup, c'est deux lances légères. En termes de points de vie, on est sur la même chose. En termes de blindage, on est meilleur sur eux que sur lui. Donc ça pourrait être pas mal, celui-là. Voilà. Comme ça, on a deux petits avec deux croiseurs. Et de ce côté-là, c'est un croiseur léger, un croiseur normal. Lui, si je lui demande de s'équiper... Il a encore 174. Hein. Ce qui donne la possibilité d'avoir un autre... Hellbringer à 148 si je veux au prochain tour. Ce qui fait qu'on va vraiment être axé mais après je préfère peut-être attendre un petit peu au niveau du pexing et d'économiser, voilà, pour les revenus. Je gagne 100, je gagnerai encore plus après, ça sera parfait. Et après il faut améliorer tout ça petit à petit. Lui il est tout seul mais son but c'est de me rapporter ici à chaque fois. Ouais. Puis c'est une flotte de secours au cas où. Si jamais il y a un gros truc dangereux ou pas. Ça sera pas mal déjà. On fait un petit fin de tour. Ouais. Côté YouTube, on s'arrête là. Le prochain épisode, c'est quand on partira dans l'autre secteur. Donc dans le secteur Cellus. Et on attaquera ici, du coup, Vermar. Avec sa flotte de 519 et on enchaînera sur cette toute petite flotte, mais c'est notre objectif à nous. Et l'histoire continuera à ce moment-là. Des gros bisous, au prochain épisode. Ciao, ciao.